Je suis venu voir ce qui se passe sur le rocher de Krone assez tôt cette fois. Je suis venu tôt hier matin. Il se passait pas grand-chose. Bon, là, je suis venu à 9h, 9h30, je pense, pour voir un peu comment ça évolue. Donc là, je vois deux frelons. J'ai vu deux frelons qui se bagarraient. Il y en a encore un là, ici, devant. Voilà, et deux frelons. Vous voyez deux frelons qui se chamaillent la place. Il est parti loin. Il se chasse loin. Hein. Là, ils apprécient pas. Hein. Là, ils sont là les deux. Là, ils sont là. Bon, il y a deux frelons, quoi. Il y a deux frelons sur le rucher. Troisième, là, ici. Un troisième qui arrive. Toujours des petits frelons. Bon, c'est une petite visite rapide. Ah, quand même là. Les trois frelons sur la même ruche. Oh là, ils se battent. Hein. Oh, la bagarre de frelons. Ah, c'est sûr que là, si je commence à voir trois frelons sur la même ruche, ça va commencer à être plus impressionnant. Mais bon, je commencerai à considérer qu'il y a de la pression quand il y a trois ou quatre frelons sur chaque ruche. On verra cet après-midi. Ça devrait finir par monter doucement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai Fred qui me demandait des nouvelles du rucher de Pierre qui était infesté. Et le mail ne marche pas, donc je lui réponds dans la vidéo. Son adresse mail semble refuser les messages, je sais pas pourquoi. Donc Pierre m'a promis un retour aujourd'hui après son week-end. Donc je vais lui envoyer un message pour lui rendre visite aujourd'hui s'il est disponible. Et on verra si la pression est diminuée sur son rucher, ce qui est quand même attendu. Hein. C'est ce qu'on espère quand même. Hein. Bon, c'est acquis qu'il va capturer beaucoup de frelons. Donc il va faire pas mal de biomasse de frelons à recycler, on ne sait pas où. Ça c'est sûr, mais ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est que la pression diminue sur les ruches en bas, hein, bien sûr. Hein. On applique toujours les mêmes bons principes. Bon, c'est plutôt tranquille, mais bon, là quand même un frelon qui monte la garde là. Est-ce que les abeilles s'énervent? On va voir si les abeilles se stressent. Bon, les abeilles partent butiner normalement. Il y a deux petits groupes. Deux petits groupes des butineuses qui reviennent. Hein, avec du pollen bien chargé. Deux petits groupes défensifs qui s'agitent dès qu'une abeille rentre. J'ose pas trop mettre ma main parce que j'ai pas envie de me faire allumer. Bon, ça va, c'est sous contrôle et les abeilles. Circule librement, il n'y a pas de souci au niveau des ruches. Allez, petite vue générale. Je vais supprimer la ruche du milieu. D'ailleurs, je pense que je vais le faire tout de suite pour ne garder que trois ruches. Je pense que je vais rapatrier une colonie ici, mais pas plus. Donc, je vais tout de suite retirer la troisième ruche. Pause. C'est fait. Ah, le résultat. On a les trois ruches bien bien réparties. Frelon continue de chasser. Un frelon, deux frelons. Deux frelons sur cette ruche. Une abeille qui vient de se faire capturer. Une abeille vient de se cap faire capturer. Une butineuse. Hein. J'ai vu le pollen passer. Et deux frelons qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y avait trois frelons. Trois frelons sur le rucher. Bon, ça suffit. Ça suffit comme ça, je vais attendre de voir qu'il y a un petit peu plus de pression pour pouvoir montrer quelque chose. Donc, c'était le rucher de Krone, très tôt le matin. Lundi, fin de la vidéo.